Shalom, 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 frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici, nous venons vers vous pour vous annoncer quelque chose de précieux, de grand, de merveilleux qui arrive dans quelques jours. Là, je suis descendu à Lubumbashi. Je suis venu rencontrer l'homme par qui le Seigneur va passer pour nous faire du bien pendant ces 3 jours de séminaire, les 30, les 31 octobre et les 1er novembre. Donc, nous sommes là à Lubumbashi, je suis avec l'apôtre Jean-Clément Diambilaï. Alors, j'aimerais lui poser la question. Shalom, apôtre. Shalom, révérend. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut attendre de ces 3 jours où on parle de compassion de Christ à l'AENA, Cité Verte, à Kinshasa? D'abord, j'aimerais dire merci pour cette invitation et je voudrais vraiment rassurer à tous les peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre, les croyants, c'est-à-dire même si vous êtes d'autres confessions religieuses, et même les non-croyants, venez réellement parce que nous allons parler des évidences de Christ, nous allons parler de la puissance de Christ qui a régné hier, qui règne aujourd'hui et qui régnera encore demain, les bienfaits, les bénéfices d'être un enfant de Dieu. Nous allons passer des moments, nous allons nager dans les Écritures. Ce sera des moments aussi de guérison spectaculaire. Le Seigneur nous a dit que ce programme est teinté par une grâce de miracles dans tous les domaines. Donc vous faites les affaires, vous êtes malade, ne ratez pas ce moment. Nous allons vous présenter la croix, la puissance de la croix. Et nous allons passer vraiment des soirées exceptionnelles. Et on aurait bien voulu avoir toute une semaine, mais les 3 jours, c'est suffisant. Nous pouvons faire les condensés et ça sera vraiment extra, extraordinaire. Pour rien au monde, ne ratez pas ce programme, surtout si vous avez eu l'occasion de nous suivre avant cette date qui est le 30 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre. Encore une fois, venez nombreux, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun qui se déplacera pour ce moment d'impactation avec les pasteurs Timothée Kabasele. Donc c'est mercredi, jeudi et vendredi. J'aimerais poser la dernière question, apôtre. Est-ce que vous allez nous partager votre expérience, vos secrets? Parce que Dieu vous a pris de quelque part. Moi, je dirais même à ceux qui nous suivent, des héros à héros. Il a pris quelque part et ce qu'il a fait de lui aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, je demande pour vous qu'il nous partage son expérience et qu'il nous bénisse par cette expérience. Est-ce que vous le ferez? Bien sûr, nous parlons tous les jours des expériences des hommes et des femmes que j'appelle les héros de la foi dans la Bible. Nous parlons de Paul, nous parlons d'Abraham, mais nous avons aussi les héros contemporains aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas, parmi ces héros-là, parler. Il y a de nos pères, il y a aussi nous qui sommes là et nous avons une petite histoire à partager. Et même si les pasteurs Timothée ne l'avaient pas demandé, on l'aurait fait. Amen. Mais comme il les demande, nous les ferons avec soin pour que vous puissiez être impacté par ces témoignages et croire réellement que Dieu est capable de prendre quelqu'un des héros pour l'amener à héros, comme le révérend venait de le dire. Merci. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.